Frère, toi qui as rouge-gorge, vous croyez que Jésus est venu et il prend quelques citations et du coup il te trouble. Et toi aussi tu prends tout ce que tu as écouté ici et tu jettes. Là tu as perdu la bataille. Un combattant, c'est celui qui conserve. C'est un devoir, frère. Ce que tu as cru, conserver. Bumba et vaincre veut dire conserver la vie. Combattre pour des choses que tu crois être vraies. C'est frère Branham qui le dit que le millénium est déjà là. C'est le prophète qui le dit. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un vient. D'abord, qui es-tu de lui? As-tu été avec un ange? C'est comme ça que dans la ville ici, nous avons eu un prédicateur qui se disait qu'il est l'ange du Congo. Vous savez, quand quelqu'un déjà commence à voir, moi j'appelle ça un peu de l'audace à vouloir être frère Branham. Il finira mal. Et à l'heure où nous parlons, il est même en prison, je crois. Où il est sorti, je ne sais pas. Je suis l'ange du Congo. C'est moi, tout doit être tout, frère. Non. Tout ne passe pas par toi. Tout passe par Branham. Il est la croisée des chemins. Sur le boulevard Alléluia. Na boulevard Alléluia. Et le croisement de l'avenue Gloire à Dieu. C'est là que Zachée a vu Jésus. C'est le boulevard obligé. Pour croiser Jésus. C'est Malachi 4. C'est pas un homme. Et nous devons combattre. Ça veut dire conserver. Même si tout le monde, dans leur majorité, refusait. Mankaka. Mais que toi tu sois un peu comme on dit, les derniers précarés. Je ne trahirai jamais le message. Pour moi, le message c'est la vie. Alléluia. Pour moi, le message c'est la vie. Je ne peux jamais trahir le message. Des choses que nous avons cru hier. Frère, parce que il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup. Même les 8 mois dans lesquels nous sommes passés dans le confinement, c'était une épreuve pour voir qu'est-ce que tu as cru. Il y a beaucoup qui ont laissé même le message. Beaucoup se retrouvent dans des églises de réveil. Et beaucoup sont même dans des églises du message. Là où on critique les choses que nous croyons. Il était parti juste communier. Mais on ne sait pas comment. Il prend ces choses. Et il les jette. Donc, tu n'avais jamais cru. Je le dis, tu n'as jamais cru. Et nous avions vu combattre. C'est persévérer. Combattre veut dire conserver. Moi je prêche. Et toi tu conserves. C'est ça même le mystère du mari et de la femme. J'ai les semences de vie. Mais qui est censé conserver la semence de vie? C'est la femme. Jusqu'à faire un enfant. L'homme dépose. Et la femme garde. Conserve. Nourrit.
Ne faites pas de moi un prédicateur qui prêche dans le désert. C'est pourquoi parfois j'insiste sur le fait que quelqu'un ait sa Bible, quelqu'un un cahier pour écrire. Là, moi, tu sais que les choses que j'ai dit là ne sont pas jetées comme ça. C'est quelqu'un qui prend, qui aura le temps d'aller lire, de ruminer, afin de devenir ces choses-là. Sinon, quant à moi, je vous ai dit, je ferai mon travail de vous prêcher tout. De mettre de l'équilibre dans la parole, de ne jamais cacher une citation. Tout ce que Branham a dit, je vous le donnerai. Comme ça, ce jour-là au ciel, je dis au Seigneur, j'ai donné tous les conseils de Dieu. Mais reste, ce n'est pas mon problème. Pas de mèches. Pas de mèches. Tu as commencé. Et tout d'un coup, tu regardes la télévision. Et tu changes. On a prêché ça avant. Tu rentres dans le confinement. Et quand on sort, la sœur a changé. Donc, tu n'as jamais cru. Si tu crois, tu vas conserver. Tu seras le gardien de cette semence de vie. Qu'est-ce qui est arrivé quelque part? Pourquoi tu as changé? Et s'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, depuis la Genèse, c'est ajouté et de retrancher. Dieu n'aime pas ça. Croyez la parole telle qu'elle est. Tu crois ça comme ça? Avec tout ce qu'il est, avec toutes les conséquences que ça implique dans cette parole. Un frère ne tape pas sa femme. Un frère n'injurie pas sa femme. Un frère n'injurie pas sa femme. Un frère ne boit pas. Ça, c'est des choses. C'est la foi qui nous a été transmise. Une seule fois. Et ça, on n'a pas de marchandise là. Nous combattons pour la foi. Abraham a dit, ce n'est pas une foi. Il s'agit ici de la foi. Permettez-moi de lire cela. Benendimi samutanga yau. Combattre Adama pour la foi qui a été transmise par Gav 12. Comme il a solé. Donc, il s'adresse à l'église, leur disant uniquement ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, gardés pour Christ. Eh bien, il dit, eh bien, c'est à vous que je m'adresse, afin que vous combattiez ardemment pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Eh bien, non pas là, non pas une foi qui a été transmise, mais la foi qui a été transmise. Avez-vous remarqué là, la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, pas juste une fois. Certaines personnes disent, eh bien c'est contraire à ma foi, j'ai, il n'y a qu'une seule foi, une seule foi, un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi, une seule doctrine. Et maintenant les gens disent, eh bien j'ai une foi et je fréquente ma propre église. Eh bien ce n'est pas à cela que Jude s'adresse ici. Il parle aux gens qui doivent combattre.
pour la foi qui a été transmise aux saints, une fois pour toutes. Rouge gorge n'a pas de foi. Rouge gorge nous avons la foi parce que une foi c'est une manière de croire d'une église. Mais nous croyons tout ce que Branham a dit. Alors c'est pourquoi ce n'est pas une petite foi. C'est la foi. Tout ce que Branham a dit, c'est ce que je crois. Je peux aller dans une église. Si vous me dites ce que Branham a dit, c'est la règle la question. Mais si vous commencez à dire vos choses, en ce moment-là, il s'agit d'une foi. De votre foi. Rouge-gorge, je ne t'apprends pas à discuter avec Branham. Quand Branham parle, même si ça sort d'un frère que tu n'aimes pas, mais si ce qu'il dit, c'est Branham qui le dit, montre-lui tout d'abord que moi j'ai dit amen. Tu peux aussi ajouter, il est aussi écrit. Mais ne refuse pas ce que Branham a dit. C'est pourquoi les gens sont ils sont confondus. Ici nous croyons que les sept honnêtes ne sont pas révélés. Nous croyons ça ici. Et nous croyons aussi que les sept honnêtes sont révélés. Donc si tu m'amènes une citation, les honnêtes ne sont pas révélés, tu seras surpris que j'ai dis amen. C'est la parole. On nous avait dit que chez eux là-bas, ils ne croient que les tonnerres sont révélés. Maintenant, tu ne feras soir. Tu dis les sept tonnerres ne sont pas révélés dans la Odyssée. Mais quand nous sortons de la Odyssée, les tonnerres sont révélés. Il est écrit. Il est aussi écrit. Donnez-moi encore un amen. Nous croyons aussi qu'un homme ne peut pas être Dieu. Un homme, c'est un homme. Il est sujet aux erreurs. Mais quand un homme est pleinement soumis à Dieu, cet homme-là, c'est un tout-puissant. Nous croyons aussi que Dieu est Elohim parce qu'il existe par lui-même. Mais quand nous avançons, H-A-M veut dire aussi Elohim. Donc Dieu est Elohim. Et un homme aussi est Elohim. C'est ce que nous croyons. Nous croyons que Jésus n'est pas venu. Oui. Parce qu'il vient dans l'âge de l'Odyssée. Et l'Odyssée l'a rejeté. Donc ceux de l'Odyssée ne le verront pas. Mais il est allé à ceux qui sont rejetés. À ceux-là, ils peuvent dire Jésus est venu. D'ailleurs, il vient comme un voleur. Tu sais ce que les voleurs font? Il ne réveille pas les gens. Il agit la nuit. Et il est parti. Nous croyons que l'enlèvement a déjà eu lieu. Je ne sais pas comment vous êtes réveillé ce matin. Mais je vous dis que l'enlèvement a déjà eu lieu. Oh, il n'y a pas d'amen. Amen qui est levé. Nénette, enlève un peu le masque là, ça te bloque les amen. Nénette, quand tu fais ton masque là, quand tu pas amen. Tu dois conserver ça. Gaffe la bombe à Yahoo. Frère Branham me dit, quand tu reçois Christ, Christ a en lui la résurrection. Il a en lui l'enlèvement. Donc quand tu reçois Christ, tu es déjà enlevé.
C'est ce que je crois. Et c'est ce que je prêche. Si quelqu'un ne croit pas que nous sommes enlevés, pendant que nous prêchons, il y a un groupe de gens qui sont assis à l'heure où nous parlons dans des lieux célestes en Jésus-Christ. Moi je crois ça et je dis amen. Et toi aussi tu dois dire amen. Aucun prédicateur dans la ville ne te trouve. D'ailleurs, ce n'est pas ma parole. Moi, je ne fais que donner l'écho. Il ne faut pas dire il faut quoi dire, non. C'est pourquoi même quand nous disions je suis le roi des citations. Ok, le roi des citations. Les gens tordus n'ont pas compris. Comment il peut être roi des citations? Roi des citations. La citation. Citation. C'est le fait qu'un homme cite quelqu'un qui n'est plus. C'est ça la citation. Branham ne peut pas être roi des citations. Branham devait roi des citations. Parce que nous citons Branham. Comment lui peut être encore roi des citations? Il est celui que nous citons. Oh là là. Qu'un amen et je continue. Amen. Nous citons Branham. En d'autres termes, c'est Branham qui prêche. En d'autres termes, c'est lui qui parle. Oh, je veux entendre un amen. Combattre veut dire conserver. Oh là là. Un frère ne tombe pas avec sa femme avant le mariage. Même si tu ne dis pas amen. Attends, tu veux amen. Nous devons combattre. Pour ça. Samuna yaou. Ne changez pas le message. Ben sommes avec sangou. Attendez, je vais vous dire tout d'abord ma position. Mokezo sila ben totina mokele. L'identification paragraphe 162. Prêché le 23 janvier 63. Écoutez ce que frère Branham dit. Tout homme qui a le message de Dieu, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Tout homme qui a le message de Dieu sait où il se tient. Il ne se soucie de personne. Donnez-moi un amen. Oh non, notre ancien est à Kinshasa. Lui ne dit pas ça. Je m'en fous de lui. Moi qui peux veiller. S'il ne dit pas ça, ça c'est lui. Il a ni yandi. Avec sa foi. Mais moi je n'ai pas sa foi. J'ai la foi. Il sait. Il ne se soucie de personne. De ce que les gens ont à dire à ce sujet. Aucun évêque. Aucun évêque. Ni personne d'autre. Moi je vous dis, même les enfants des frères Branham ne peuvent pas me dire ce qu'il faut prêcher. Oh, donnez-moi un amen. Amen, amen. Frère, si tu ne crois pas ça, on va pour toi. Frère Branham dit, l'ancien médite dans le bureau et il traite directement avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui donne le message et lui le donne au peuple de Dieu.
sans passer par quelqu'un. J'ai dit aucun évêque. J'ai dit encore aucun évêque. Oh pasteur. Oh, c'est l'enfant de frère Branham. Oui, c'est un, oui, je crois. Et d'ailleurs, l'enfant de frère Branham, il ira au ciel par formalité. Lui, son entrée au ciel n'est pas la même que moi. Lui, il entre au ciel à cause de son père. Et moi, c'est à cause de la foi. Donc, je n'ai pas droit à l'erreur. Je dois croire tout. Oh, donnez-moi encore un amen. 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 Oh non, tel a dit. Il a dit. Ça n'engage que lui. Je reprends encore. Aucun évêque. J'ai dit quoi? Mais ça y est qui? Donnez-moi aucun évêque. Ouais. C'est le cas. C'est comme ça, frère. Ne pangi. Tel que vous me voyez là, que vous dites oh non. Moi, c'est un électron libre, je m'en fous. Il y a que électron qui a dit moi, c'est moi qui peux faire. D'ailleurs, je vous dis, moi, je ne fais pas les choses à partir des gens. Moi, que ça lave un membre de Koulandi, là, pas partout. Mon modèle, qui faut ni yamono, c'est Branham. Il y a que le Branham. Point. Il mène. Très. Il y a Mesuka. Si un prédicateur quelque part, il veut faire les choses à sa manière, ça n'engage que lui. En quoi ça nous engage? Oh non, à partir de maintenant, moi je vais commencer maintenant à prendre les dîmes de tout ce que vous avez à la maison. Où est-ce que Branham a dit ça? Ça se prêche. J'ai vu un prédicateur, je lui dis, où est-ce que Branham a dit? Oh non, la Bible dit que Melchisedec, quand il a croisé Abraham, Abraham lui a donné la dîme de tout. J'ai dit, mais frère, Branham dit la dîme de tout, Abraham n'est pas allé compter la valeur de la parcelle de Vindoulou pour payer la dîme. Frère Branham dit, il lui a donné son âme. C'est ça la dîme de tout. Dans une enveloppe humaine, c'est ça la dîme de tout. Mais pourquoi prêcher des choses quand Branham n'a pas dit? Et nous, nous allons nous attaquer à tous ceux qui font ce genre de pratiques. J'ai dit encore, aucun évêque, ça ne s'arrête pas là. Ni personne. Atamutu ya kaka. Lance à ton voisin loin même. Aucun évêque. Félix n'a pas été matanga gazambi. Ni personne. Atamutu ya kaka. J'ai dit aucun évêque. Mais atanga gazambi. Ni personne d'autre. Atamutu ya kaka. Ne peut les pousser. L'un de notre yandi. Ni à gauche. Ataloué kabukento. Ni à droite. Ataloué kobakalo. Il sait exactement où il se tient. Et cela règle la question. Moi, je sais là où je me tiens. Dieu a pensé. Branham a parlé. Et moi, je crois. Cela règle la question. Et rouge quand je crois tout ce que Branham a. Ce que vous fabriquez là. Oh non. Il y a un autre pasteur. Qui est devenu comme Branham.
Branham me dit, Branham me tuba, si tu viens après pour être un, son remplaçant, yandi, tu dois faire deux fois les choses que le messager a fait. Nous voulons te voir parmi des milliers de miracles que Branham a fait. Donnez-nous ça deux fois. S'il n'y en a pas, alors laisse-nous calme. Frère, je vous le dis, aucun blanc ne peut régner sur moi. Moi, je suis Geronimo. Je me bats pour ma terre. Et ma terre, c'est le message de l'heure. Je n'accepterai jamais. Oh, donnez-moi encore un amen. Amen. Oh là là! Pastor Life, Fong Life, tu es sorti de tel tabernacle. Oui. Mais comment? Tu ne prêches pas comme tel. J'ai du respect pour tel. Mais seulement en tant que prédicateur. Voilà la règle qui me régit. Si je vois quelque chose, c'est là où je vous dis toujours que quand je vois Branham parler, moi je deviens têtu. Je n'écoute personne. Quand Branham parle, moi je deviens, et si je vous le donne aussi, vous aussi. Ce que tu dis là. Alléluia. Amen. Frère. Pangi. J'étais très content. Nous étions quelque part. Pendant que je prêchais. Il y a une soeur qui rentrait en transe. Il y a la part qui me soit PV. Il y a une jeune fille. Qui était là qui ont commencé à dire? Mais ça c'est du désordre. L'ange parle à la chair. Il ne peut pas encore parler là. Oh, Moutala, vrai qu'il est. J'étais vraiment content. Parce que pour eux, ce que Branham a dit dépasse même les esprits des églises. Et frère Branham a dit, quand l'Ephésiens 4 prêche, tous les autres dons doivent se taire. Le don de la parole est plus que le don de 1 Corinthiens 12. C'est ce que nous croyons, n'est-ce pas? Aucun évêque, ni aucun homme, ne peut nous influencer. L'un de toi dit ça, Beto. J'ai dit aucun évêque. Mais on attend Gangazambi. Ni aucun homme, ne peut nous influencer. L'un de toi dit ça, Beto. Il s'agit ici de la foi. Yakiminu ya nene. Laisse-moi tout d'abord essayer. Je veux voir si vous avez la foi. J'ai dit, je veux voir si vous avez la foi. Combattre Ardama, paragraphe 9. Eh bien, il s'agissait de combattre pour la foi. Pas une, la seule foi. À vrai dire, il n'existe qu'une seule foi. Normalement, nous tous dans le message, nous ne devrions même pas nous discuter. Un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi. Eh bien, nous devons donc retourner dans le passé pour découvrir ce que cette foi. Maintenant, je vous demande en tant que mes bien-aimés frères et sœurs,
Est-ce qu'il y a les frères de Branham ici? De prendre ceci en considération. En effet, ça doit venir de la Bible. Et bien, ça peut être un peu différent de ce qui vous a été enseigné. Que quelqu'un dise life, lis encore. Quand Jésus est venu, l'église attendait sa venue. Mais il est venu de façon si contraire qu'ils ont manqué de le reconnaître. Est-ce possible que la même chose se soit de nouveau produite aujourd'hui? Enlève-moi le sommeil, là, donnez-moi un amen. Frère, c'est ça la foi qui a été transmise. Quelle foi? Le Seigneur est déjà là, mais les autres ne le savaient pas. Et aujourd'hui, je dis à quelqu'un, pendant que je prêche, Jésus est venu. Oh non, donnez-moi un amen. Oh, bébé de paix, ça m'a amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'entends pas bien là. Je n'entends pas bien. Est-ce que la même chose ne se répète pas? Que quelqu'un me dise la même chose se répète dans leurs églises. Kilumbu mwana zambike kwiza. Ça chante. Bana imba, ça danse, bana bino, pendant que quelque part mosi, un enfant mosi, était déjà là vandi me butukaka, et il ne le savait pas. Aujourd'hui, Papa yayi, le 28 février, le 28 février 1963, sous le ciel d'Arizona, nati sous l'Arizona, voyez-vous ses yeux, voyez-vous sa barbe, ce qui le juge suprême, comme vous voyez là, beaucoup des églises ne le savent pas. C'est pourquoi il y a le combat. Toi là, conserve bombe. Je dis que quelqu'un conserve la foi. Alléluia. Écoutez frère, prêchez que Jésus est venu et que les autres ne le savent pas. C'est la foi qui nous a été transmise. Je ne sais pas ce qu'il y a beaucoup de nouveaux dans le premier culte. Majesté, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es fatigué? C'est vrai, il faut écrire. Hein? Oh, attends. Oh. Est-ce que ce n'est pas la même chose que ce soit de nouveau produit aujourd'hui? Voyons. Eh bien, s'il s'agit de la foi qui a été transmise au saint, cela doit remonter au Nouveau Testament, car c'est dans le Nouveau Testament que les gens ont été appelés saints. J'ajoute encore, moi, pour le dire que tout celui qui croit que Jésus est venu, c'est ça le saint des derniers jours. Non, donnez-moi un amen. Tu es un saint. Saint Luemba. Saint Mavungu. Saint Delphin. Pourquoi tu es saint? C'est la chose que tu crois qui te sanctifie. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Dis à ton voisin, est-ce la même chose? Ne se répète-t-elle pas? Il y en a foutu qu'il avait coup salama.
Est-ce que la même chose ne se répète-t-elle pas? Jésus est venu. Écoutez, frère. Il est né. Il était déjà venu. Il a grandi. Il était venu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je ne crois pas que la venue du Seigneur soit un événement d'un jour. C'est un processus. Si ce n'est pas lui qui est venu, qui est celui qui te prêche? C'est qui? Tu crois que c'est l'Ifoko? Non! C'est Jésus là qui prêche. Dites-moi, s'il n'est pas venu, qui est celui qui t'est guéri? C'est qui? Est-ce que ce Jésus-là est différent de celui qui doit venir? D'ailleurs, laissez-moi te dire, depuis que Dieu est venu sur la terre, il n'est jamais reparti. Il ne fait que se manifester. Oh, Rouge-Gorge, sois béni. Tu es la meilleure église. Donnez-moi un amen. Et tu as un meilleur pasteur. Il n'y a qu'un meilleur. Enseigner au meilleur. Frère Branham dit, un papa ne peut pas prendre un vaurien pour enseigner son enfant meilleur. Oh, donnez-moi un amen. Oh, ben le père Samuel, amen. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que vous me permettez de prêcher? Est-ce que je peux déclarer les choses? Oh! Oh! Hallelujah. Hallelujah. Si vous voulez connaître la foi des derniers jours, il faut aller à l'original. Amen. La foi transmise au sein une fois pour toutes, paragraphe 32. Eh bien, c'était là le commencement de la foi qui a été transmise premièrement au sein. Voyons ce que Jésus a fait. Alors nous pouvons avoir une bonne idée de ce qu'est la foi. C'est lui qui l'a apporté. Jean. Yohane. Que quelqu'un répète, Jean Motolanda Yohane. L'a présenté la kisaka yandi. À partir d'un miracle. Nakobanda kimangu. À partir de quoi? Quel est le miracle? Wakimangu. Un signe. Kidimbu masi. Dis-moi, quel est un signe? Yawa kidimbu. Plutôt un halo. Kaka di tout yatia. Un halo veut dire Yazola tuba. La colonne de tout yatia. Se posant côté la maca sur un homme, c'est là que tout a commencé. C'est là que tout, même ici en ces derniers jours, le 6 avril 1909, pendant que tu n'étais pas là, à l'eau de lumière est entré dans la chambre. C'est ça le commencement de notre histoire. La colonne de feu sur un bébé. Crois, la colonne de feu sur un bébé. J'ai dit crois, la colonne de feu. Est-ce que tu seras chopé quand tu verras la colonne de feu sur un vieux? Déjà tu as cru le commencement.
Je ne peux que croire aussi. La foi qui a été. Amen, 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 amen. Laisse-moi prêcher. Les commencements de l'histoire. C'est la colonne de feu. Sur un homme. C'est la première des choses quand quelqu'un vient dans cette église. Avant même que nous prêchions, c'est ce qu'il remarque. Et c'est là que naissent les questions. Est-ce que ces gens adorent cet homme ou ils ne l'adorent pas? Voilà la première curiosité. Et quand on vient, on commence. Pa, 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 pa. Il oublie même que. Il y a la photo. Il y a la photo. Je l'ai dit le vendredi, je l'ai dit encore aujourd'hui. Toute église du message qui n'a pas le commencement, elle est suspecte. La maison d'un fils de Dieu qui n'a pas l'histoire, le commencement. Donnez-moi un amen. Dans ton magasin. Dans ton taxi. Dans ton travail. Dans ton bureau. C'est le commencement. Dieu. Au-dessus. D'un homme. Tu ne peux pas me croire. Si tu ne crois pas tout d'abord. Dans l'eau de lumière. Sur un homme. Est-ce que je peux prêcher? Dites-moi, life prêche encore. Dieu a une voie à laquelle il est pourvu par Gav 27. Lisez-moi ceci. Lisons tous ensemble ce qu'ils peuvent voir. Allons-y. Et... maintenant, yayi, nous entrons trois dans un autre kaka, glorieux âge. Mbandu yankembo. On en arrive beto kena kuma, à l'enlèvement nzangolulu, de l'église. Yadibudu. Et avec ça, yawu, nous vivons beto zingo, au temps natangu, de la restauration yamfotodolo, de dons. Yamakabu. C'est là yawu, à choper. Tadisa kapas pati. Beaucoup parmi les bonnes églises, c'est là à bouleverser les Nazaréens. Ça a rendu fanatique beaucoup de pentecôtistes. Néanmoins, malgré tout, Dieu avance directement, introduisant quoi? La foi de quoi? Pour son église. La foi de quoi? La foi de quoi? La foi de quoi? C'est vrai. Ce soir, je représente donc cette foi qui a été transmise. Oh là là. Oh là. Je n'entends pas d'amen. Oh là là, mon akouave amen. Donnez-moi un amen que je prêche. Ben après ça mon amen ça moulonga. Frère, Pangi. Heureusement que je suis chez moi. Je peux prêcher librement. Branham. Branham. La foi de l'enlèvement. Yemeno yanzangululu. Koussal veut frein. Ne mets pas de frein. J'ai dit Koussal veut frein. Mais on ne met pas de frein. Oh là là. J'ai dit. Mon metouba. Où ça le frein fait? Ne mets pas les freins. Continue. Tata Mano. La foi qui a été transmise. Et maintenant, pense que.
une fois est représentée dans un homme. Muntu. Homme. Dis-moi un peu, Muntu. C'est la moufette homme. C'est là où vous trouvez que j'ai des problèmes. Il faut qu'on ait le roi des fausses doctrines. Il faut que l'on ait le roi. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Quel est mon problème? Je n'ai fait que répéter. Et je ne le répète pas seulement. Je conserve. Si tu ne crois pas Branham, tu n'iras pas au ciel. J'ai dit si tu ne crois pas Branham. Que quelqu'un dise life. Life. Explique-moi encore. Tout ce que tu as aimé. Tout ce qui t'ont aimé. Comment tu sont rentré au ciel? En aimant un homme. Aimer le prophète. La foi muntu. Que minu homme. Malachi 4. Malachi ayo. Il fait quoi? Il restaure. Il a la foi qui a été. Transmise. Pesoko. Frère, Pangi. Si nous sommes sur le fondement de nos pères, exemple simple. Qu'il faut en passiver. Exemple simple. Qu'il faut en passiver. Nous devons être battus sur le fondement de nos pères. Qui sont nos pères? Les apôtres et les prophètes. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce qu'un homme comme Pierre, si vous lui dites que le Seigneur n'est pas venu, est-ce qu'il va vous croire? Merci. Pourquoi? Pierre était avec le Seigneur. Hein? Quand il marchait, est-ce que le Seigneur n'était pas là? C'est des pharisiens qui ne croyaient pas que le Messie est déjà venu. Mais Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, comptez tout ce que vous connaissez comme apôtres, nos pères. Il croyait que le Messie était là. Alors si c'est cette foi-là qui doit être transmise, donc nous aussi, comme les enfants de Pierre, les enfants de Jean, les enfants de Jacques, nous devons dire la même chose. Pendant que les Sadducéens, les pharisiens modernes ne croient pas, alors le Seigneur est ici. Quel est Awa? Frère, moi je crois que le Seigneur est avec nous. Je te pose la question. Pourquoi on t'appelle épouse? Où est ton mari? Il y a un mec qui a un voyage. Il est parti en voyage. Sous l'âge de Paul, tu étais fiancé. Mais ici, quand c'est à où? Tu y es marié. Où est ton époux? C'est pourquoi Branham me dit, la voix du septième ange criera. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Amen.
Laissez-moi vous dire. Quiconque croit ça, même ce matin, si il y a la maladie, tu vas sortir guéri. Non. Fais. Mon frère, celui qui était diacre chez le pasteur, tu perds les ailes là. Toi qui étais quand on prêche ces choses, le confinement ne t'a pas fait de dégâts. Ce sont des choses sur lesquelles tu venais jusqu'ici. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, la foi de l'enlèvement, Muntu, homme. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit. Qui l'a dit? C'est quoi? C'est la foi qui a été transmise combien de fois? Ce que nous croyons ici, c'est ce que les autres croyaient. Mais ce sont des acteurs qui ont changé. Là-bas, Jésus était venu dans le masque de l'homme de Galilée. Mais aujourd'hui, il est venu dans le masque de Malachie 4. Voilà la différence. Mais nous croyons comme les apôtres. La foi qui a été transmise au Saint une fois pour toutes. Yannick, lis-nous un peu fort ça. Lèvons-nous tous. Maintenant même. Lèvons nos mains. Louons-le. Père céleste, au nom du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, je bénis ces mouchoirs. Je bénis ces gens maintenant même. Que le Saint-Esprit rétablisse chacun d'eux. Je condamne le diable. La foi qui a été transmise au Saint une fois pour toutes est ici. Alléluia. Amen. Et les gens ont crié et louent Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes amis, vous êtes délivrés. Amen. La foi qui a été transmise au saint vous a été apportée. Vous êtes libres. La porte est ouverte. Réclamez la victoire que Dieu vous a donnée. Amen. Au nom de Jésus. Si tu crois que la foi qui a été transmise une fois est ici, alors tu es libre. Est-ce que tu peux sauter là où tu es? Tu es libre. 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 La foi qui a été transmise est ici, en cravate, en costume. Amen, amen, amen. Ici à Rougegorge, la foi qui a été transmise une fois pour Rougegorge. Hey. Oh, frère Branham dit, la foi c'est le pouls. Les œuvres c'est le pouce.
Je sais que tu as des problèmes. Je sais ce matin. Tu as des problèmes. Je m'en fous de tes problèmes. Je te transmets la foi qui a été transmise une seule fois. Vous allez me dire, est-ce que William Branham nous a été transmis? Oui. C'est le cas. Hein? Quand on parlait de Malachikat, toi tu étais déjà né. Tu n'étais pas là. La foi. Kimino. Montu. Homme. Et tu dois te battre. Ngefananuana. Pour ça. Samna yahu. Non pas Yakeve de chamailler Kuswanaka. Non pas Yakeve de quereller Kuswanaka. Mais Kansi conserver Kobomba. Même quand les choses ne marchent pas, attaque la mambo na tambulave. N'oublie pas ça. Même quand tu rétrogradais, il faut toujours continuer à dire. Le message est vrai. Branham est un vrai prophète. Et le pasteur Life, c'est un vrai serviteur. C'est moi qui suis mauvais. Dieu finira un jour par te récupérer. Mais tu quittes le message et tu commences à injurier le message. La foi qui m'indou monte homme. Vous savez, frère, mais nous avons pangi. Sœur, là-bas derrière dans le deuxième balcon, pourquoi tu es dans le deuxième balcon? Pourquoi tu ne reçois pas? Samngeke na yambave. C'est parce que tu ne sais pas où se trouve ta foi. Samnge sava sika ki minu ange. Je ne parle pas de d'une fois. De là. Un homme n'a pas beaucoup de pasteurs. Mutu mosi kebe na mvunge mingi. Oh, donnez-moi un amen. Oh, pesa munu amen. Oh. Oh, il y a un pasteur qui est venu à Vindoulou. Oh, il y a un enfant qui me couche à Vindoulou. Vêtement quoi de kona. Nous sommes partis là-bas. Oh. Voilà pourquoi. Nina yao. Nena kwenda tatabana, donc gauche, droite. Tu es en train de gloire, droite. Est-ce que tu sais? Ngani tike saba. Même si ton pasteur n'est pas là. Attends, vous que quelqu'un a élevé. Tu peux invoquer le Dieu de ton pasteur. Ngani la boke l'ensemble à vous gangé. J'ai dit, hein, mon betouba, hein, un homme dans la vie n'a qu'une seule foi. Moi ta musique n'a que mino mosikako. C'est pourquoi tu ne peux pas t'embrouiller quand un prédicateur vient prêcher ici. S'il dit quelque chose qui n'est pas ça, sois calme. J'attends ma foi. Ce que je dois croire. Oh, 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 c'est là où ça devient grave. Donc il y a quelqu'un qui... Qu'on puisse le croire lui. Oui. Et tu es le cas? Frère. Pangui. Toi, tu crois que quand je vous prêche la foi qui a été transmise, où est-ce que je vais vous amener? Mais c'est à ça. Nina yahu. La foi monte. Que mino homme. Attends, attends. Vingi là, vingi là. Je suis allé en ville, en ville. Oui, on m'a ville, on m'a ville. Proposé du travail. Bah, mais je il y a un travail, il y a un travail. Il y en a un qui salue. Trois travail. Et or, je dois vivre par la foi. Qu'est-ce que je fais? Je repars retrouver la foi qui a été transmise. Moi, que la
Moi-même, je commence à danser. Papa, il y a trois travails. Papa, bissa le ketatu. Dis un mot. Sosa mambu. Et je m'accrocherai. Et muke kangama. Amen. Amen. Ouais, c'est là où je dis qu'il y a un problème. Ne kula tata kena mambu. Oh là là. Il est difficile. Y a quel impasse. Qu'un mortel. Monte que la kufa nanzutu. Amène d'autres mortels. Natabata kake fa nanzutu. À le croire. Nakokwiki la yandi. C'est ça la difficulté. Ni ya impasse. Le premier travail, combien? Qui sait la tête y quoi? C'est 200 000 papa. 200 000 papa. Mais je ne serai pas là le dimanche à l'église. Mokekui s'appelle de l'omig na de bondo. Le deuxième travail, c'est combien? Qui sera la zone quoi? 150 000. Mais je serai là mercredi, Kasi, vendredi, mercredi et dimanche. Vendredi na dimanche. Frère, Pangi, par la foi, Nakemino, prends le travail de 150 000. Baka qui sera la 150 000. Dieu a pensé. Zame Banza. Le prophète a parlé. Beaucoup de maisons ça. Mon pasteur a répété. Vungi amun mefutu kila mambo. Moi je crois. Moi que kila. C'est la règle la question. Yake yidika mambo nyoso. Même si c'est 150 000. Attaque 150 000. Dieu un jour. Zame lumbu. Comme je l'ai fait par la foi. Mota mesala yonda kiminu. Même après 3 mois. Atal manbango nda tatu. Ça va s'augmenter même de 100 000. Yake poale matana 100 000. Ok, keke crie alléluia. Alléluia. Conserve. Bumba. L'homme n'a pas deux pasteurs. Mutu ke fam fukizole. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a qu'un ensemble aussi. Une seule foi. Ke minu aussi. J'ai un pasteur là à Brazza que j'appelle tout le temps au téléphone. Moi, n'en fous que moi, ça la Brazza, mais que beaucoup la tangou nous sur le téléphone. Pasteur, comment? Vous avez un tindou. Vous avez ma difficulté quoi? Quoi, façon de maison? J'ai des problèmes ici. Qu'est-ce que tu as dit? Mais il vient là. Car c'est un de Kouizawa. Un de Kouizaniawa. Et il y a aussi d'autres pasteurs de parents. Il y a un fou qui a kaka pebiboti. Les parents racontent. Pebiboti que zonza. Il faut faire ça, il faut faire ça. Salaya. Et l'homme, Montou, il cède. Yandindima. La foi que mino est ici. Que la wa. Est-ce que vous savez que dans cet âge, la définition de la foi a changé? Frère Branham dit. Frère Branham dit. Il y a des gens, vous sentez, qui n'ont pas la foi. Il y a des gens, vous sentez, qui n'ont pas la foi. Pasteur. Fungi. J'aime la sœur là. Musola panga kintoina. Mais la foi connaît. Parce que minu zaba. Que c'est une fausse sœur. Tiya ke panga kinto yimbi. Bien aimé frère. Panga luzolo. Tu es sûr de. Ngeme tu la vufuna. Laisse. Pika. Non. Ve. C'est mon cœur. Il y a qu'un petit maman. C'est là où il y a des problèmes. Ne kuna ke ba mambo. Hein? Hein? Et c'est la foi. Mais la foi ne fut pas oubliée. Mais tu n'avais pas écouté la voix de la foi. Nge kuwa vendinga ya kimino. Frère. Pangya bakala. Bika. Laisse. Il y a quel choix, mono? C'est mon choix. J'aime la sœur. Zola panga kento. Après. Namanima. Ça ne marche pas, pasteur. Yana tambula fait fougi. Mais t'avais-je pas dit? Mutubila kangeve. Frère, nous souffrons, hein. Papa tata l'impatient, hein. Beaucoup de gens. Papa te mingi. 2 millions. Pas millions. Il a peur peut-être que si le pasteur apprend qu'il a 2 millions. Il y en a bon matin quand il faut que vous attendez maintenant il a 2 millions. Non, Dieu t'a donné un pasteur qui n'est pas mendiant. Veux, Nzambi pesange vugilika yingave. Si toi tu ne me donnes pas, je ne te demande pas. Quand ngenge pesa mu veux moke lomba ngeve yao. Il prend un autre frère. Il y en a pas capang ya kakya bakala. Va me coin sale copia bao. Ils sont partis faire leur copie à eux.
Toi, tu donnes. Tu me donnes les 1 million. Je vais aller dans la Bouenza. Je vais amener les maniocs. On va faire le tubercule ou les fous. Il y a un coin d'appel, mais Simbafé. L'autre avale tout l'argent. Il y a quelqu'un qui est minambogonioso. On revient. Et pourtant, ce qu'il faut faire, c'est par la foi. Mais la foi a fait oublier. Quand il y a des problèmes. Pasteur. Vous qui? Une de tes brebis. Moi, ça n'est pas le. Là, il commence maintenant à me faire porter la responsabilité. C'est un frère. Il y a quelqu'un qui est en rouge gorge. Il est avec nous en rouge gorge. Un faux frère. Pange, pakele yimbi pangi. Vongi. Oh. Côté ben banda na yande. Là où vous avez commencé avec lui. Je n'étais même pas là. Mufanda ya munove. Tu n'as pas consulté la foi. Nge kwenda yufula avec minu. Et quand ça a pété. Et natangu ya me beba. Pasteur zone ya nan vous tout le monde bon. Vongi dit lui qui puisse remettre mon argent. Avant que je n'aille à la police, j'ai dit je commence tout d'abord par l'église. Tu veux déjà aller à la police? Là, c'est des chantages. Des chantages spirituels. Il y a qui me fait. Comme il connaît que nous n'aimons pas ça. Il me secoue là. Si ça ne vient pas, pasteur. Frère, viens. Pange kuisa. Assois-toi. Vandawa. Où est l'argent? Wambongo. Pasteur, façon que natalamun. Vous tel que tu es en train de me voir. Mais maintenant, que foutia? Mais qui va payer ça? C'est la foi. Il y a quelqu'un mino. C'est comme ça que je paye même le fuka que je ne connais ni. Ne mutume que futa badette moke zabilav atawa mutindo. Ni la queue. Atasiki abanda ya manisaka. Pasteur. Vongé. Comme il a dit là. Tu regardes aussi la personne n'a rien. Ngata pa muta gokina kima fe. Va la mener encore à la police, on dira. Ba kenata la police ba ketuba. Les vrais vies de life. Baba le semble la life. Mon frère, prends tout d'abord les 100 000. Papa, que tu es 100 000. Merci, pasteur. Tu as que ça, mon pasteur. C'est sa cause, pasteur. Ah! Ah! Que me sale aussi la poche, frère. Mais tu as aussi mis de la poche, frère. Que me quoi na ya aussi. Tu vas aussi avec ça. Il va avec ça. Vous savez, pendant la période de confinement, nous sommes dans le temps où confinement. Je vais vous confesser quelque chose. Moi aussi, la bonne maman aussi. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de dîmes, mais nous voyons beaucoup de dîmes, maman bien. Il y a tiré que tu as fallu que quand j'ai mangé ça tranquillement. Parce que les jeunes ne venaient plus chacun chez lui. Restez chez vous. Seigneur, ah, c'est beau le confinement. Il y a qu'un mot de confinement. Le lundi. Lundi. Blin. Y a que fuluka. Mardi. Mardi. Blin. Pas me fuluka. J'étais là, je sors le lundi. Moi, va me passer que lundi. Monte qu'elle veut. Il y a personne. Seigneur, Mfumwe. Il y a aussi une vie sans brebis. Y'a que pas l'usine, mais quand t'as pas dans le samboula. Bien. Y'a un moteur. Je regarde mon enveloppe. Moi, t'as l'enveloppe à mon Yahweh. Ça reste sur ma table même une semaine. Y'a que vendre à table, mon attaque s'est mis en vie. Y'a un coin de vue. Ce n'est pas parti. Oh. Il y a un frère qui m'a appelé. Y a pas moi c'est Bokila Mono. Je suis malade. Moi na kimbevo. Je viens, je dis. Moi na kimbevo. Vanda. Restez chez vous. On va prier par Bluetooth. Faites ensemble la Bluetooth. C'est le frère Ndongi, il avait écrit. Pas Ndongi, c'est des caca. Il a écrit. Aller partout ailleurs sauf ici. Mais le coup d'habitude, il y a un gars qui a ouvé. Pasteur. Vungi. C'est la fièvre. J'ai la fièvre. Respiration. Mou pépé. Il y a un coupé ma. Je suis en train de vous. Oh. Oh. Oh.
Comment on va faire? Je vais te porter le gant haut. Et quand il arrive là. J'ai dit frère. Mais Pangi. Va à l'hôpital. Kouena l'hôpital. Et à partir de l'hôpital, appelle-moi. Et au Kouban l'hôpital au Bokila Mounou. On va lancer la prière à distance. Mais tu finis ça le sang. Il faut que je vienne. Va y aller comme ça. Le gouvernement a dit. Louya Lumetouba. Chacun reste chez soi. Mosina Mosina Inzo Ayandi. Il y a même un frère qui m'a appelé. Il y en a pas qui m'a dit. A commencé à dire que Inzo. On commence à mettre ça dans la maison. Mensonge. Dans le founou. Le gouvernement a dit. Louya Lumetouba. Dans cette période. Natangu Yayi. Bon, maintenant, si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez que tu sors, tu tireras où? Pas de taxi. Pas de taxi que vous avez. Comment vous appelez? Kavaki que veut. Tu vas transporter tes choses. Ne que na tu me fous d'engue wa mutindu. Tu me mens. Nge na funa mono. Ah, ni façon ina. Ah, c'est comme ça. Bon, revenons à la foi. Babé te foutu que na kemino. Je disais que la foi. Bana tu vas tiki mino. A changé de définition aujourd'hui. Ya mesu bambango du lobo yayi. Frère Banam dit, pardon, Ametouba, ce n'est plus la foi, n'est plus l'espérance. Il y a quelque chose qui nous fait monter de foufou. Des choses. Il y a Babima. Qu'on espère. Gemeshi qui dit là. Aujourd'hui, on n'espère pas. Bah, mais tout l'avait foufou. Parce que le diable est assis dans l'espérance. C'est diable vendant à Katina foufou. Quelqu'un peut beaucoup rester attendre. Monte la vente à couvingir la couvingir. Et il finit par perdre la foi. Il y a des manes à couombi ça qui mène. La foi est devenue une substance. Qui mène quoi? Qui m'a l'enda simba? Substance veut dire matériel. Qui m'a yaki sunge l'enda simba? La foi est devenue un homme. Qui mène quoi mamutu? Que tu peux toucher. De l'enda simba. Je veux me marier par la foi. Moke kuel na qui mène. Je veux faire mon commerce par la foi. Moke ta mumbuga mu na qui mène. Je veux faire ceci par la foi. Moke sala yai na qui mène. Par la foi. Na qui mène. La grande foi. Qui mène ya nene malakaya. Que dit le prophète? Il qui met tout bambikodi. Tu consultes le prophète. Nge ke yufu la talambikodi. Prends ça et tu agis. Nge baka yau nge mesala. Il y a des gens qui agissent, frère. Il va pas que na sadi la papangi. J'étais parti voir une maman. Mokunda tala mama musi. Et la maman la m'a dit. Mami na tuwila mono. Tu prends de l'eau à 4h du matin. Nge no amasa na 4h du matin. Nge basika nganda tu soulèves l'eau. Nge basika nganda que tu nge nangu na masango. Moi, des gens comme ça, quand je t'entends déjà. Mon baba te moche kaneme kuwange. Ça te finit même le courage. Il y en a mani sangue à tangolo. Un jour, j'ai entendu une sœur là. L'homme se moua pangi moche kento. Je veux finir. Cette sœur disait. Moke mani sapage kito mandatuba. Pasteur Moukouena dans l'église, mon si. Vongi, j'étais parti dans une église. On a prophétisé sur moi. Babikula kanazu sam namono. Je dis qu'est-ce qu'ils ont dit? Je suis une fille de Dieu. Mais c'est la famille. Je dis, c'est aujourd'hui là parce que. Ces gens ont dit que je suis une fille. Toi, tu es une fille. Tu es devenu ma fille de Dieu. Toi, tu n'as jamais cru que toi-même. Je me suis cru qu'il avait une aussi. Tu étais une fille de Dieu. Et puis c'est que ces gens-là ont dit, tu tiens ça comme parole de l'Évangile. Dis à qui le babat mon cœur Simba ya muti mame tu baka kasinga mambo. On nous avait amené à Vindoulou là-bas. Il y avait une maman là. Il y avait une maman aussi. Déjà, au lieu de voir que ce qu'il a fait est faux, il commence maintenant à vous transmettre le message qui a été dit. Je suis pour moi une fille de Dieu. C'est mes parents qui m'attaquent. Ils m'ont dit là-bas, va chez ton pasteur. Qu'il prie pour toi. Il y a un sambil à Samonangé. Il y a même une sœur. Tu es un vrai serviteur de Dieu. Là où nous étions partis, ils m'ont dit, votre pasteur, il est gros. Ils ont montré comment tu es pasteur. Je suis maintenant convaincu. Donc tu n'as jamais été convaincu. Et il faut qu'un féticheur te le dise. Il n'a jamais cru. Il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi. Comment dans le message? Tu peux te retrouver dans le coin comme ça. Comment? Comment?
Ça me rappelle un peu quand. Excusez-moi, parce que c'est des choses qui sont passées. Je n'aime pas trop dire ce genre de choses. C'est compliqué. Quand on était là-bas chez Yoyo, chez lui à la maison, avec mon jeune frère, là, il dit, l'air momental là. Quand j'ai vu, tu le pasteur, il faut que me kima. Tu pasteur, il faut que a fui. J'ai dit, papa Yoyo Kengolo. Papa Yoyo est fort. Même pas son Dieu. Attends, ça m'a dit. Même pas le Dieu du message. Il y a quoi ça va s'engouiller. Mais Yoyo. Quand si Yoyo. Là, Yoyo dit. Yoyo met tout bas. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans mon église? Il qui vient me couser ça n'a qu'à te dire bon dans mon nom. Vous ne devriez pas venir ici. Benozola couser ou avez. Hein? La haine c'est quoi? Kuyina kede yiki. La jalousie c'est quoi? Ntima kimbanda ke yiki. C'est ça la vraie sorcellerie. Ni ya bundo ki ya teleka. Voyez? Ben metala. Vous êtes venu faire quoi? Ben nokusa sedi. Parmi vous il y a des pasteurs. Na katika tabani ke bamfungi. Et il y a des passoires. Ya na ba biyungulu to ba passoires. Vous êtes venu faire quoi ici? C'est une honte. Il y a que les Sony. Il s'est mis à nous prêcher. Il y a banda ku longi la beto. Comme il était dans son église. Mutula vanda di bunto yandi. Qui peut l'arrêter? Nani lenda nimina yandi. Moi je connais Branham. Musaba Branham. Oui frère. Tu l'as capagi. Il nous a dit ça. Ya zo sabete ou? Je connais Branham. Musaba Branham. Je connais, il est Malachi 4. Moussa Belke Malachi 4. Il dit, papa Yoyo. Mais c'est la papa Yoyo. C'est une honte. Il y a que les sonnings. Et mais ça, il y a où? Que nous là, on se retrouve ici. Bete Kouizawa. C'est notre foi ne nous permet. Qui minua Bete Mendimisa Betove. Et nous sommes prêts à donner notre vie. Et Bete Mekoubamana Kopesa Lucie. Si moi je suis venu ici, c'est parce que toi tu m'avais promis. Kanemoun Moukusa Mouge Pesa Moukusa Mampomosi. Que tu avais entendu le message. Tingé Kouwaka Sadis. Et que tu vas nous aider à appliquer. Pengé que Sadis la Bete Kousa Sagazola Touba. Bible ouverte. Bibila Koufunguka. On met la main. Bete Toula Diboko. Et tu vois, il fouille. Gatela Nakima. Je suis venu à cause de ça. Mon mécuisa samuna yao. Il dit papa. Ça papa. Même si mouke ndoki. Attends que je suis sorcier. Mouke fou avec baba. Je ne tue pas les gens. Ben kuhenda. Allez-y. Oh. Oh. Et tu vois quelqu'un? Ngeta la mutu. Content. Zai. Ya yo yo. Ya yo yo. Et je lui ai répété, je dis, mais jeune frère. Mais vous êtes tué, n'y a pas donc, toi, tel que tu es assez là, tu crois que moi. N'y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a. J'ai peur de cet homme ici. Moi, n'a pas maman tu as. Mais il est là, demandé. Mais il y a qu'il y a eu fou là, yandi. Avant que je ne voie, je suis venu. Tu es qu'il y a beaucoup d'anges, tu es beaucoup satellite. Mouzon sana yandi. Il était un. Il m'a dit, un. Quand toi, tu dis que je fouille ça. N'attends qu'il me kimaka, le voulou. Il est levé, dit, oui. Mais tu es d'accord. Papa, il faut qu'on cuise. Papa, il faut que tu es venu ici. Toi, tu crois que je le fouille. Mais là où je suis assis, là, c'est la troisième fois. Il m'a fait appel par le frère Chabel. Il dit appeler mon neveu Lifoko. Qu'il vienne, je connais votre message. C'est pourquoi j'étais venu. Au-delà de cela, je ne serai pas venu. Et il me dit, pasteur Lifoko. Mais toi, pasteur Lifoko. Il faut apprendre. Longoka. Combattre ce genre de choses. Amen. Il me dit, tu sais. Mais tu veux que ça va? Mon neveu, j'allais te dire ceci. Quand quelqu'un est ingrat, c'est un animal. Un animal n'est pas reconnaissant. Comprends, vas-y. Bakula Kwinda. Oulala. Notre foi, frère. Qui m'une abeille pangi. La chose la plus chère. Qui me l'outil en talou. Hein? Je me presse comme un fruit. Je me vide de beaux mots. Et la verve de ma langue n'est qu'à toi, Seigneur. Jésus, Jésus. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie.
message, message, c'est la plus belle. C'est tout ce qui peut m'arriver de bien. Parole, c'est la plus belle chose. Vous savez, moi, je suis constant dans ce que je prêche et dans ce que je chante. J'ai commencé à dire être comme Branham, ce n'est pas aujourd'hui. Longtemps. Seigneur Jésus, je veux la Pentecôte dans mon cœur. Oh, oh, oh. Pour être comme Paul, je dis, pour dire un jour comme Branham, même si vous me coupez en morceaux et que vous m'enterrez n'importe où. Mais quand Jésus paraîtra, moi je le verrai. Oh, oh. Qu'avait donc Branham? Ainsi moi aussi Jésus, mais faut la Pentecôte dans mon cœur pour être comme Branham. J'avais 4 ans dans le message. Et je n'ai pas changé. Quelqu'un a traversé le Jourdain. Il a ramené le septième sceau. Le septième sceau, c'est la ville. 90. J'ai trouvé, oh, oh, oh. Eureka, eureka, eureka. J'ai trouvé l'effet du courant, la parole frottant la chair. Il est le même. Alléluia. Il est le même du temps d'Abraham. On pouvait voir un homme tourner le dos dans la salle. 89. Et aujourd'hui, dans ce temps de la fin, on pouvait voir Branham tourner le dos dans la salle. C'est pour prouver qu'il est le même. Frère, je n'ai jamais changé. Tango Elia, Akati Sakebale, Alobina Lingomba, Bino Bolanda Kangai, Soki Bomoningai, Kokota Nalikaloe, Molimwezali Nangai, Eko Kitela Binobe, Brana Mempe Elia, Ya Tango Hoyo, Alobina Lingomba, Bino Bolanda Pengai. Soki bomoni ngai kokota na likalo e molimo ezali na ngai yango ezalaki kati na Yesu. 90. Ce monde a besoin de voir. 91. Je n'ai jamais changé. Suivez-moi et voyez mon évolution. Je suis constant dans ce que je crois. Et je n'ai jamais changé d'un iota. Ndeke oyo boye ya Yesué tikanga ina mema makila na motema e oyo bato ba boy tikanga na mema tananto logo. Bola munangaite ndeke oyo nzambe katina moto. 92. Comptez les années, frère. Mais ne tangue pas vous là-bas. Constant. Yakusikama. Je n'ai jamais changé d'un iota. Abon musoba ataki nyotika. Et je ne changerai jamais. Donc que soba va ata fioti. C'est à cause de ça que vous m'aimez. Yakesam na ya benosola mono. C'est à cause de ça que vous m'écoutez. Yakesam na benke kuwa mono. Je n'ai jamais cru aux mèches. Et ma famille, je leur dis ça. Et quand même, il y a. Frère, je ne croirais pas ça.
J'ai toujours cru que mes enfants doivent être les modèles de cette église. Bien se marier, bien se comporter. J'ai toujours cru que ma femme doit être un modèle. Et je ne changerai jamais. C'est ce que je suis devant vous. Vous me lisez ici, là et là. Je ne suis pas hypocrite devant vous. Alors vous aussi, tentez, essayez de combattre ardemment pour cette foi-là. Je suis presque le seul pasteur. Je dis presque parce que peut-être il y en a d'autres. Qu'on injurie du matin au soir. Pour rien au monde. Je m'occupe de mon église. M'occupe de prêcher dans mon église. On prend mes prédications. On met des commentaires. On injurie. Même un polygame qui a 10 femmes, il dit il faut qu'il y ait de l'enfer. Il est empoisonné. Il est mort. Qu'est-ce que je ne vois pas? Mais quelque part, parce que la Bible est dit, quiconque essaye de se tenir debout sur ses convictions, il aura même pour ennemi des gens de sa propre maison. C'est pourquoi nous faisons avec frère. Et on essaye d'avancer. On essaye d'avancer, frère. Parce que s'il faut s'arrêter, on ne fera rien. On conserve la foi. Vous croyez que nous n'avons pas le privilège de tomber? Vous n'êtes pas avec moi partout. Partout, je circule. Les tentations, il y en a. Pas plus tard que hier. Quand tu m'avais ma sono. Je l'ai dit même à Gisèle parce que lui n'était pas là. Là où nous étions au grand marché, je me mets debout. Une femme qui vient. Il dit à quelqu'un à côté. Moi j'aime ce monsieur-là. Valé lui dit, je l'aime. Comme c'était un West Africain. Touré, il dit Lui pasteur, lui il est pasteur. Il n'y a pas qu'un vous qui, il y a qu'un vous qui. Ou si tu veux toi-même, va dire lui-même. Est-ce qu'on ne vit pas ça, frère? Mais, combattre pour la foi, parce que je sais, s'il m'arrivait de faire une erreur, je ne tomberai pas seul. Beaucoup de gens croient que nous sommes le dernier rempart du message. Alors je ne vis pas seulement pour moi-même, je vis aussi pour eux. La foi est un homme. Et je voudrais terminer que vous-même, parce que quand il y a la transmission, vous devez devenir ce que vous vous a transmis. L'élève qu'on transmet le savoir, il finit par devenir maître. L'élève qu'on a transmis le savoir, il finit par devenir professeur. Comment on te transmet pour ne pas devenir ce qu'on veut? Est-ce que le Dieu de Branham te bénisse? La foi qui a été transmise, une seule fois, pour toutes. Il y a encore deux autres, trois autres trucs qui nous restent à parler. Comme nous allons le voir, que ça a été transmis au sein. Et comment frère Branham me dit, pour croire bien, ça demande une bonne vie. Quand quelqu'un commence déjà à ne plus mener une bonne vie, il croira mal. Il faut qu'on tu étais bien avec moi en 2000. Mais tout d'un coup. Non, les choses qu'on prêche là. On va m'amener dans la longue. Je ne suis pas frère, suivez-les. Vous allez voir quelque part. La sainteté n'est plus. Parce que pour croire de mauvaises choses, il faut être mauvais. Car de mauvais en mauvais, il n'y a pas un pas, c'est la même chose. Quand
Comme un jeune frère qui était venu me voir là. Non. Ce n'est plus le temps de prêcher. C'est le temps de bande. Dans l'entretemps, il a engrossé une fille dans le quartier. Mais il a peur que nous puissions suivre sa vie. Et comme il ne veut pas qu'on le suive, il crée une doctrine. Doctrine de bande. Mais ce sont réellement les bandes que tu veux. Oh. C'est parce que cette foi était transmise au saints. La sainteté conserve la vraie foi. Frère, je vous dis la vérité. Vous voyez même quand je frappe sur les mauvaises vies. C'est parce que moi-même je mène une bonne vie. Le jour où je tomberai, même ma prédication change. Je vais devenir l'homme de grâce. Votre frère, la grâce, la loi, c'est du diable. Vous-même, vous allez voir seulement des gens. Il y a un méchant. Il a changé. Et que quoi? Il y a quel problème? Pasteur Abed, vous avez dit notre pasteur était en train de frapper. Là, Hawa. Déjà, une part de sainteté est partie. Mais qu'en tout cas, on a vu un pasteur à Brazza. Mais tu as le pasteur, moi, c'est à Brazza. La citation de Branham qui dit Branham c'est Duma. Pourquoi la polygamie a été autorisée. Il a pris ça seulement. Tout un mois. C'est pourquoi la polygamie est autorisée. Les échos sont arrivés même ici. Oh! L'homme était déjà en train de tomber avec une deuxième femme. Frère Branham, c'est le Fonds monétaire international. Tout ce que tu as besoin comme citation, il va t'en donner. Mais tu vois quelqu'un qui insiste sur la polygamie. Est-ce que le roi Salomon va aller en enfer? Oh. Qu'est-ce que Salomon vient faire chez vous? C'est une vieille dispensation. Ici, il y a plus que Salomon. Ah ouais, quel mot est à Salomon? Pourquoi tu nous parles de Salomon? C'est parce qu'il a seulement à Salomon, il a. Et à la fin, Nakumanisa, il a eu deux foyers. Il y a des Zouaka. Il partait ici. Siawa. Partait là-bas. Wandakwe partait. Quand il n'y a plus de sainteté, Natabulongo que diakave. La foi change. Que mine me soba. Amen. J'ai entendu même un prédicateur dire le temps de prier, fini. Oui. On ne peut plus prier. C'est parce que lui et Dieu, ils n'ont plus de communication. Quand quelqu'un a déjà une mauvaise vie, il ne prie plus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il crée une doctrine. C'est donné au saint. Nous allons le voir. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous tenir debout afin de permettre aux autres de venir. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin sauveur. J'ai vu dans l'espérance et je marche sans peur. Oh, 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 oh. Encore une fois. Ma richesse, amen. Oh Jésus, que tu m'as racheté, rempli en toi divin sauve. J'ai vu, élève ta voix. Oh, oh, oh. Rien d'autre, rien d'autre. Amen. Amen, amen. Sinon le et le sang. Oui, oui, sang. Nous lave tout iniquité et pro.
Oh, 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 que toute la apporta ce sauve, ses péchés. Il fait grâce aux pécheurs. Il fait quitter. Oui. Un salut éternel. Oh. 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 Tu veux combattre le bon combat de la foi? Lève seulement ta main pour que nous puissions penser à toi là. Seigneur, ce combat. Faut mon vita yai. Beaucoup d'entre nous ont perdu ce combat. Parce qu'ils n'ont pas conservé. Les principes. Ils n'ont pas conservé. Les choses pour lesquelles. Tu nous avais appelés. Ils sont allés loin. Mais nous te prions, Seigneur. Le petit troupeau. Il est là. Il ne suit pas à gauche ni à droite, mais il combat en conservant la foi. Bien-aimé Jésus, j'ai parlé en tant que pasteur, j'ai parlé en tant que père, mais au-delà de cela, j'ai confiance au Saint-Esprit qui va aider tes enfants à assimiler ces choses. La foi qui a été transmise une seule fois pour toutes. Maintenant, papa, nous sommes arrivés à la fin. Tes enfants vont partir. Laisse que chacun de nous y pense à ces choses. Que chacun de nous applique ces choses dans sa vie. Va avec eux. Bénis les enfants. Bénis les dîmes. Au nom du Seigneur. Et sauveur Jésus-Christ. Nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Nous avons juste un enfant consacré de frère Fernand Ngoyo qui veut consacrer son fils s'appelle Ngoyo Badinga Bidiv Joseph. Il peut approcher avec l'enfant rapidement et nous prierons pour lui. Comme vous le savez, nous ne baptisons pas les enfants. Mais nous les consacrons à Jésus. Pour que Jésus puisse conduire ses enfants. C'est ce que nous allons faire aussi. Pour cette famille ici. Écoute la voix du berger. Venant du désombre et appelant la brebis perdue, qui s'était Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remets cet enfant, Joseph, que tu as donné à ton fils. Bénis les parents. Laisse que ta grâce les accompagne en leur donnant des moyens pour relever cet enfant dans la voie du Seigneur. Seigneur Dieu, bénis cet enfant, qu'il grandisse pour te servir. Ainsi, Joseph, je te consacre à Jésus. Puisses-tu grandir pour le servir. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Vous voyez, je l'avais mis dans une position, mais lui, il veut s'accrocher à moi, il ne veut pas partir, mais il dort. Il y en a là, là. Il a les yeux fermés. Mon frère, vas-y. Hein? Oh. Oh. Tu sais que c'est la parole. Hein? Frère Banam dit quand les bébés vous aiment, vous avez un bon esprit. Il y
y a même un enfant qui m'avait dit un jour à la sortie du culte là. Pasteur Lifoko, je veux devenir ton enfant. J'ai dit, tu as refusé ton père. Il dit oui. Tu es maintenant mon papa. Gloire à Dieu. Ok, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse richement. Quand vous sortez, partez directement pour ne pas faire des attroupements. Afin de permettre aux autres aussi d'entrer dans le culte. Aux autres, nous allons nous retrouver donc le mercredi. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. À la fête des noces, nous nous réjouirons. Mais ici-bas, ce n'est que le combat. Ah, mais un jour, nous entrerons à la fête de noces, nous nous réjouirons. Et...